Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue une fois encore à cet échange, un échange qui va déboucher sur la liste des joueurs retenus pour le match Cameroun-Burundi, comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Cet échange va être mené par le coach. Dans un premier temps, il va donner sa liste. Et dans un second, pendant 15 minutes, pour un échange avec lui par rapport à cette liste, au match, au choix des joueurs d'être au site. Il faut dire que le match se jouera à 20h le 12 septembre prochain au stade Wundia Jadegawa. Sur ce, je vais passer la parole au manager sélectionneur pour son grand programme. Merci, monsieur le Team Press. Bonjour à tous les journalistes, sans plus trois tentés, je vais vous passer la liste des 24 joueurs sélectionnés pour le match 16 contre le Burundi. Du 12 contre le Burundi. Du 12 contre le Burundi. Alors, je vais commencer. Gardien du but, il passe du but. Fabrice Onga, André Onana, Yongwa Bernin ou Christopher Mouloudou, Omar Gonzalez, Bokele Malcolm, Chato Enzo, Baizo Olivier, Mokoudji, Aaron, milieu de terrain, Zambo Amissa, Tiam Olivier, Elot Fabien, Ondoa Gaël, Kemen Olivier, Koumouet. En attaque, Toko Egami, Mouminga Malé, Choupo-Mouti, Djé Clinton, Abouaka Vincent, Brian Bémon et Moutier François Mouke. Mouguet François. Voilà les 24 joueurs sélectionnés pour le match du 12 septembre. Merci. Mouguet François. Voilà donc la liste.
quatre joueurs sélectionnés par le manager, sélectionnés des Lions indomptables du Cameroun. Vous pourrez vous-même faire vos analyses sur les combats, sur les premières et sur les constances. Sans plus tarder, on va passer la parole à ceux qui souhaitent la prendre pour un exercice de 15 minutes concernant le match, uniquement le match, les choix, l'adversaire et certainement tout ce qu'il y a tout autour. Vous connaissez le principe, vous levez vos doigts et on vous donne la parole, vous vous présentez. Nous allons alterner, on va commencer par le côté droit. Bonjour à tous, bonjour manager sélectionneur, je suis Joseph Martin Ballon, je travaille pour le compte d'Infoxie. Alors ma question concerne uniquement la rencontre face au Burundi. Comment comptez-vous contrecarrer cette équipe burundaise, sachant que c'est une équipe assez physique, comme on sait que le Cameroun a pêché lors des dernières rencontres face à des équipes justement de ce calibre-là. On va parler très bon, on pense au Malawi. Quel est le dispositif que vous allez mettre en place pour contrecarrer justement une équipe comme celle du Burundi? Oui, je pense que de toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus de choix à faire. Nous sommes conscients un peu de l'enjeu qui va être. Nous savons cette équipe déjà, nous l'avons affrontée. C'est vrai que c'est normal, c'est légitime que cette équipe du Burundi arrive avec l'intention de pouvoir gagner. Mais je dirais que c'est pas ça notre sujet. Le sujet pour moi, c'est de pouvoir mettre tout ce qu'il faut en place pour que nous essayons d'obtenir notre résultat et rester dans notre mission que nous avons vécu de temps. On va aller à gauche. Ndjek, dans la bonne opinion. Bonjour à tous, moi c'est Fisande Ndjek, je travaille pour le compte de LDN Télévision. Bonjour manager sélectionneur. J'ai du coup envie de poser cette question, c'est mon voisin qui l'a posé. En sortant le matin de la maison, en me disant, mais on a le stade de Vandela, on a le stade de Chapouma, mais que le Cameroun ait fait le choix d'aller à l'angle de Rundéadia. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi le choix de Gabon pour cette rencontre capitale, pour ne pas dire pour cette rencontre cruciale pour ce dernier tour qualificatif de la CAN Côte d'Ivoire 2023? Excusez-moi, avant de vous répondre, je vous posais la question si vous me permettez. Garoua se retrouve dans quel pays? Au Cameroun. Vous avez répondu à ma question. Donc, je pense qu'on parle de l'équipe nationale du Cameroun. Et je pense que Garoua fait partie du Cameroun. Et qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que je dis. On ne jouerait même pas à Libé, même à Bamida, pourquoi pas. Donc je pense qu'il n'y a même pas un problème de choix de l'endroit où l'équipe nationale du Cameroun devrait jouer. Vous avez répondu à ma question, donc je pense que c'est très clair. Pour le pas à droite, Mr. Benkoni Soudoubé. Après, ce sera Joël Wadel. Thank you, Coach Rigo. My name is Ben Collins of the National Radio CRTV. Coach, when you look at your list, are you confident that it's a list that can grab the qualifications here for Cameroon? Thank you, sir. But you know my English is from Chinese. Je vais répondre en français. J'ai très bien compris. Je pense que la liste est très bonne. Elle est très bonne. Vous êtes mieux que moi
mal de voir les matchs qui se jouent tous les week-ends. Et on voit que tous ces joueurs en ce moment sont très en forme. C'est un côté positif qui n'existait pas il y a quelques temps. Et je pense que le choix, avec mes collaborateurs, qu'on a pu faire, sont les meilleurs. Maintenant, nous allons mettre notre stratégie en place pour atteindre nos objectifs, qui sont d'aller en Côte d'Ivoire, de nous qualifier. Bonjour, coach. Je prends 5 internationales. Alors, nous notons avec beaucoup de satisfaction le retour d'Antoine Nana. Alors, est-ce que les problèmes sont terminés? Comment ça s'est opéré quand Antoine Nana revient en sélection? Merci. Ben, il n'y a jamais eu de problème. Je l'ai dit lors de la dernière conférence ici que tout dépendait de lui-même et il savait ce qu'il avait à faire. Je pense qu'aujourd'hui, s'il est dans la liste, c'est parce qu'il a fait ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, je pense qu'il fait partie des meilleurs gardiens. D'ailleurs, on félicite beaucoup. Et je pense que la porte reste toujours ouverte, comme je l'ai toujours dit. Et aujourd'hui, il vaut mieux avoir tous ces joueurs-là que de ne pas les avoir. Donc, il n'y a jamais eu de problème avec André. Et comme je l'avais dit, c'est lui seul qui savait ce qu'il avait à faire. Et aujourd'hui, on est satisfait qu'il retrouve le groupe. Et vraiment, on compte sur tout le monde. On va prendre 3 dernières parce qu'il nous reste 5 minutes. On reste sa bouche. D'abord, Sandro Gamo, FM 94. Merci. Bonjour, sélectionneur manager. Mon nom est Sadio Campo, Siati Lyon, FM 94. J'ai une question en 2 volets sur la liste concernant 2 joueurs, l'un qui est sur la liste, l'autre qui n'est pas. La première concerne Eric Maxi Choupo-Moting, qui est sur présent. Avoir une explication sur sa sélection, lui, on sait qu'il revient tout juste de blessure, dans le temps de jeu. N'est pas encore celui qu'on sait qui peut lui mettre justement à hauteur de sa forme. On le voit sur la liste, on se serait attendu à la convocation d'un jeune Arthur Avon. Par exemple, on a vu tout feu, tout flamme, genre avec les U20 lors des derniers jeux de la francophonie. On peut avoir une explication sur Maxime et le jeune Avon qui n'est figure pas sur la liste. Oui, bien sûr, non, mais je pense que vous avez. C'est une bonne remarque. Mais je pense que nous restons dans la continuité. Maxime reste un joueur d'expérience. C'est quelqu'un qui connaît très bien le milieu, qui sait exactement, qui suit un peu le projet depuis très longtemps. Donc, vous avez vu qu'il est revenu quand même il y a quelque temps. Je l'ai vu hier aussi. C'est vrai qu'il ne joue pas assez, mais j'ai privé plus sur son expérience, son vécu, parce que c'est un match qui est déterminant pour nous et qui a besoin de personnes déjà assez matures. Et donc, voilà, c'est ça qui est très important pour le groupe, parce que auprès des autres, je pense qu'il y a un impact qui apporte du positif. Maintenant, en parlant du jeune Avon, c'est un très bon joueur. D'abord, je tiens à le féliciter. Et nous sommes dessus, mes collaborateurs et moi, nous le suivons et laissons-lui le temps. Parce qu'il vient de signer aussi, qu'il prenne un bon avec Canada. Coach, et puis le Qatar, le Cameroun, c'est 0 victoire. Et vous, en tant qu'entraîneur sur le banc des Lions, c'est aussi 0 victoire à la maison. Quelles leçons vous avez tirées des précédents échecs, des précédents contre des matchs cruciaux face au Burundi le 2? Vous dites 0 victoire, je n'ai pas bien compris. 0 victoire à Coupe du Monde, 0 victoire à. 0 victoire à la maison. Oui. C'est la défaite face à l'Algérie, le match.
match face à la Jamaïque, le match face à la Namibie. Et on n'a pas gagné depuis le mondial au Qatar. On a fait défaite et match nul à deux reprises. Quelles leçons vous avez tirées de ces échecs, de ces contre-performances, notamment face à la Namibie en Afrique du Sud, et qu'on va mettre en place pour battre cette Burundi à Garoua les 12? Ben, on apprend tous les jours. C'est... Effectivement, ça va être au contraire le 12.